tous. Ce matin, je vous sens très motivé pour une petite création. Et vous avez raison. On y va? Pour faire cette sortie de bain, rien de plus facile. Vous aurez besoin bien sûr de tissu éponge, d'un morceau de tissu suivant votre choix et du biais. Pliez votre tissu afin d'avoir 70 sur 70. Ça vous fera un carré. Coupez. Coupez un triangle 30 cm de côté. Conclusion, un carré de 70 sur 70 et un triangle tissu 30 sur 30. Et bien sûr, la même chose pour l'éponge. Épingler envers sur envers, arrondir la pointe de la capuche. Couper. Idem, faites la même chose pour le carré, arrondissez les quatre angles. Épingler envers sur envers, stabilisez les deux morceaux ensemble par une couture, une petite couture de 3 mm tout autour du triangle. Posez le biais sur ce côté. Le biais se présente ainsi. Vous ouvrez un côté, posez, épinglez et piquez exactement à la pliure du biais. Laissez dépasser votre biais de 1 cm avant de commencer. Surtout, ne pas tirer dessus. Fermez votre biais par une piqûre nervure. Coupez l'excédent du biais, posez le triangle que vous venez de faire. Donc, bien sûr, le motif sera l'endroit et la partie la plus douce de l'éponge, c'est l'endroit. Donc, vous mettrez envers contre endroit. Épinglez cette partie. Je vous conseille de faire une couture de maintien autour de la capuche de 3 mm. Mettre sur l'envers. Commencez sur un côté. Commencez d'abord par plier 2 cm. Appliquez-vous au niveau des arrondis pour avoir un très joli résultat. Arrivé à l'extrémité, vous n'aurez plus qu'à venir et couper. Et voilà à quoi ça a servi les 2 cm au départ. Ça, c'est très important. Pliez, piquez nervure tout autour. Ainsi, vous aurez une belle finition. Appliquez-vous à la fin pour avoir un joli raccord. Vous avez réalisé votre sortie de bain. Grâce à la pose du biais, vous allez avoir une très très belle finition, aussi bien à l'envers que à l'endroit. Et voilà, une sortie de bain facile, rapide et surtout très utile. En attendant le prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous.